Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Hewar que nous consacrons au secteur de la santé et plus particulièrement le secteur privé. Un secteur qui a connu une dynamique ces dernières années, notamment après l'adoption de la loi 131-13 relative à l'exercice de la médecine. Pour parler un peu d'évolution que le secteur a connue, des défis, des contraintes et un peu des opportunités qui s'offrent aujourd'hui pour le secteur privé, nous recevons aujourd'hui Dr Talib Rojdi, président-directeur général du groupe Agdital. Monsieur Rojdi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, depuis 2018, le groupe Agdital mène une dynamique d'investissement avec l'acquisition et la construction de plusieurs établissements. Où on est aujourd'hui par rapport à votre plan d'investissement? Est-ce que vous êtes en adéquation avec les objectifs que vous vous êtes fixés au début ou vous avez un peu revu vos objectifs? D'abord, je vous remercie de m'avoir donné de me donner l'occasion de m'exprimer sur un secteur qui est assez important. Le secteur socio-économique dans le pays a vraiment besoin, au niveau, dans l'amélioration, le Maroc a vraiment besoin d'une grande amélioration de ce secteur-là. Et pour ce qui concerne nos projets, on a revu les choses, pour ne rien vous cacher. Depuis le discours de Sa Majesté de la fête du 30-2020, ce discours où l'initiative portée par Sa Majesté pour la généralisation de la couverture médicale de toute la population marocaine nous a vraiment poussé à revoir notre copie de fond en comble, parce que là on était limité pour un certain nombre de projets à l'échelle nationale certes, mais qui était beaucoup moins important que ce qu'on projette actuellement dans les différentes villes du Maroc. D'abord, ce qui était prévu initialement et qui était figé, c'était l'ouverture de plusieurs cliniques à Casablanca, chose faite. On est à 5 constructions plus 2 acquisitions. 5 constructions, les cliniques classiques du groupe, à savoir Jalada, Oasis, Ain Barja, Ain Sba et le centre d'oncologie et les cliniques Longchamp. Et puis les 2 acquisitions récentes, à savoir l'acquisition de clinique Atfal, qui a une certaine notoriété sur la place depuis une vingtaine d'années, avec des compétences chirurgicales et médicales de haut niveau. Il nous manquait le côté pédiatrique au groupe, ce qui fait qu'on a pensé reprendre la clinique Atfal et de la réaménager autrement pour essayer de la rendre répondre, plutôt de la faire répondre aux normes internationales actuelles. Pour la clinique Vinci, c'est la localisation qui nous a intéressés. C'est pour ça qu'on s'est approché de propriétaires des murs là, et pour trouver une collaboration entre le propriétaire de la partie immobilière et Agdital. Pour ce qui concerne les projets qui étaient figés initialement, c'est l'hôpital privé El Jadida qui a ouvert récemment ses portes. C'est un hôpital multidisciplinaire, c'est le plus grand hôpital privé du Maroc actuellement, qui fait avec une capacité de 220 lits où il dispose de toutes les spécialités sans exception, parmi lesquelles la chirurgie cardiaque, la cardiologie interventionnelle, l'oncologie, un service de radiologie complet, un laboratoire dont manquait toute la région de El Jadida, qui est quand même une région où il y a presque 1 500 000. Si on prend en considération la ville de Safi, on sera à 2 500 000 habitants qui n'étaient pas servis de cliniques de ce genre-là. Et depuis le discours, comme je vous ai dit, on a revu à la hausse nos projections. Et ce qui fait que maintenant, on a des acquisitions qui sont en cours, qui sont même déjà fixées, à savoir Salé, la ville de Salé, avec un grand hôpital qui verra le jour fin 2022. Et là, l'hôpital, la clinique de Safi, c'est une clinique de spécialité, d'une centaine de lits. Et la clinique à Khouribga, on est en train de chercher maintenant du foncier au niveau de la ville de Khouribga pour faire de telle sorte à ce qu'il y ait une clinique de spécialité, pareillement que celle de Safi. D'accord. On est sur un budget d'investissement de combien aujourd'hui? Le budget, il est de... D'investi et des projets aussi. D'investi, c'est déjà... On a dépassé le 1 milliard de dirhams d'investi à ce jour-là. Et on se projette là pour les hôpitaux, parce que c'est des hôpitaux de grande capacité. On va être à quelque chose comme 1,5 milliard de dirhams à mobiliser sur les 2 années, voire 3 années à venir. D'accord. Comment aujourd'hui vous financez un peu tous ces projets que vous êtes en train de mettre en place? D'abord, on a eu la chance d'être approché par le Fonds d'investissement méditerranéen,
que je remercie pour leur confiance. Ils nous accompagnent maintenant depuis un an et demi et on a fait une augmentation de capital qui nous a permis quand même de faire une levée de fonds et qui nous permet de réaliser les projets initiaux, à savoir Jadida, Tanger et Agadir. Et depuis le changement de cap ou bien de stratégie du groupe, on a créé une immobilière qui s'appelle Acrital Immo, qui voit maintenant la participation de d'autres investisseurs qui vont venir quand même nous apporter d'abord du savoir-faire, parce que c'est des professionnels de l'immobilière, et en même temps un apport financier qui va nous permettre quand même de nous consacrer exclusivement à la partie exploitation qui est notre métier primordial, à savoir la partie soins des malades. D'accord. Pour rester toujours dans le volet financier, vous avez annoncé récemment que la volonté du groupe à s'introduire en bourse. Peut-on avoir un peu une idée sur un peu le timing de cette introduction et qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à faire ce pas ? Écoutez, d'abord, ça c'est un projet, c'est un objectif à atteindre coûte que coûte, j'espère, Inch'Allah. Dans les 3 à 4 années à venir, c'est normalement programmé entre 2024 et 2026, on est en train de nous restructurer grâce à la bonne gouvernance maintenant et le savoir-faire aussi de Méditerranée, que je remercie du moment où il nous apporte quand même un plus au niveau bonne gouvernance et au niveau savoir, management, on va dire tout court. Et ça nous permettrait quand même d'être bien organisés. C'est pour ça qu'on a besoin quand même de 3 à 4 années minimum pour pouvoir nous introduire en bonne forme. La motivation essentielle, c'est surtout le lever de fonds pour pouvoir encore faire d'autres projets dans différentes villes du Maroc, surtout au Maroc, et puis pourquoi pas secondairement à l'échelle internationale, surtout africaine, subsaharienne. Ça serait un rêve, ça serait vraiment quelque chose d'extraordinaire à réaliser dans le cadre d'un partenariat Sud-Sud. Et comme c'est une volonté exprimée par Sa Majesté depuis des années, c'est-à-dire qu'il y ait quand même un bon partenariat entre le Maroc et les pays du Sud, du sud africain surtout. D'accord. Cette dynamique, on l'a perçue du groupe à partir depuis 2018, notamment après la promulgation, comme on l'a dit, de la loi 131-13 relative à l'exercice de la médecine. Dans quelle mesure cette loi a permis au groupe d'être dans cette dynamique d'investissement et de projection aussi ? Pour ne rien vous cacher, sans cette loi, on n'aurait pas pu quand même arriver à ce qu'on a réalisé, ce qu'on va réaliser encore dans l'avenir, dans les mois, sinon les années à venir. Cette loi nous a permis quand même d'ouvrir les portes vers des fonds d'investissement qui font partie du tour de table du groupe, sans complexe, parce que la loi leur permet. Et chose qu'on ne pouvait pas faire avant 2014-2015. Maintenant, on a cette possibilité. Moi, j'étais parmi les premiers à sauter sur l'occasion pour pouvoir faire appel à des investisseurs et de me faire accompagner dans mes projets par des investisseurs en dehors des médecins. Une citation, une de vos citations, un médecin peut être aussi un bon gestionnaire. Aujourd'hui, est-ce que vous confirmez cette... Ah oui, mais avec toute modestie. C'est-à-dire, bon... Il faut quand même avoir la modestie, puis l'idée de l'intelligence de vous faire accompagner, de me faire accompagner, c'est ce que j'ai fait, de compétences dans différents domaines, dans le domaine de finance, dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine d'IT, dans le domaine de communication, dans le domaine d'achat, et ainsi de suite. Ce ne sont pas des employés, mais je les considère comme des collaborateurs et qui me portent beaucoup de conseils, qui m'orientent quand je prends des décisions, je me concerte avec eux et qui m'apportent beaucoup de valeurs positives à ce niveau-là. D'accord. Pour revenir un peu à la loi 131-13, parmi les objectifs fixés, c'est un peu de résorber le déficit et de renforcer l'offre de soins, notamment dans les zones enclavées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans cet objectif, cette dynamique, cette logique, et si oui, comment ? Il faut quand même être raisonnable et puis être réaliste. De nous mettre dans des zones complètement enclavées, ça serait l'impossible pour le moment, pour la simple raison qu'on aurait un gros problème de ressources humaines, aussi bien médicales que paramédicales. Par contre, dans des villes, il y a des villes, des petites villes, de 200 000, de 400 000 habitants, oui. C'est notre objectif maintenant, nos objectifs, c'est toucher toutes ces petites villes de 400, de 300, de 200 000 habitants pour pouvoir approcher la bonne médecine de population qui est quand même loin de Casablanca et de Rabat, de l'axe Rabat-Casablanca.
Pourquoi? Ben c'est pour ça que bon, à Safi, ben, il n'y a pas de centre d'oncologie. Je vous donne l'exemple de Safi ou de Gélida. Il n'y avait pas de centre d'oncologie. Il y avait pas de... Les malades, ils se déplaçaient, ils faisaient des kilomètres et des kilomètres pour aller subir la radiothérapie dans des grandes villes qui sont parfois lointaines, avec tout ce que ça comporte comme conséquence. Docteur Talib, vous étiez l'un des défendeurs du renforcement du partenariat entre le privé et le public, notamment dans la prise en charge des maladies lourdes. Où est aujourd'hui ce débat et cette ambition, je veux dire, de plusieurs acteurs du secteur pour renforcer un peu les performances du secteur de la santé au Maroc? Je voudrais d'abord insister sur le fait qu'il n'y ait pas de dualité, il n'y a pas de dualité entre privé et public. D'abord, on a déjà le même ministère de tutelle, c'est le ministère de la Santé. Ce n'est pas le ministère de la Santé publique, mais le ministère de la Santé. Donc, on est couvert, on a le même tuteur, que ce soit, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Ça, d'un côté. Et puis, moi, mon rêve, c'est de voir vraiment le décloisonnement entre les deux secteurs, qu'il y ait quand même un vase communicant entre les deux secteurs, que ce soit dans le domaine de compétences humaines, un médecin d'une certaine compétence qui n'existe pas dans le secteur public, il a la possibilité de passer du secteur privé vers le public et vice-versa. Pareillement pour les plateaux techniques. Moi, je ne vois pas pourquoi l'État va venir investir lourdement dans un centre d'oncologie, par exemple à El Jadida, du moment où le secteur privé, il a déjà, maintenant avec notre groupe, qui a installé un centre d'oncologie ou un centre de cardiologie interventionnelle ou une réanimation de haut niveau. Moi, les bras sont grandement ouverts, les portes sont grandement ouvertes pour accueillir les patients, que ce sont des patients marocains, qu'ils soient du secteur plutôt couvert ou pas couvert, ça c'est une autre question, mais j'espère qu'avec maintenant le projet initié par Sa Majesté, je pense que dans les mois à venir, on va avoir toute la population, qu'elle soit ex-ramédiste ou ex-non couvert par une assurance maladie, ils vont avoir accès aux deux secteurs sans aucun problème. Et c'est mon rêve, c'est-à-dire de voir les gens qui n'avaient pas accès à ce jour-là au secteur privé venir se faire soigner dans les cliniques privées avec leur assurance maladie qui est en train de s'instaurer. Je voudrais uniquement insister sur l'importance du secteur privé dans... De la participation du secteur privé dans la prise en charge des patients en général. Dernièrement, je pense que vous êtes au courant de l'événement de la naissance de 9 bébés à la clinique Aïn Barja qui appartient au groupe. C'est ce genre de cliniques qui doivent normalement exister dans l'avenir. C'est des cliniques qui sont complètes, qui permettent quand même une prise en charge totale des patients de A à Z. Cette pâturiante, là, qui constitue une fierté nationale, ce n'est pas uniquement pour notre groupe, mais c'est pour le pays tout entier, parce que ça a été diffusé largement à l'échelle internationale. Cette patiente, elle est arrivée à l'âge de grossesse de 28 ou 27 semaines, de 26, 25 semaines, pardon, de 25 semaines, et elle a été prise en charge pendant déjà un mois, comme préparation de sa grossesse, pour lui faire atteindre l'âge de grossesse de 30 semaines pour la viabilité des bébés. Ça a été un grand succès parce que là, ce n'était pas facile de faire tenir la grossesse pendant 30 semaines avec 9 bébés, qu'on croyait 7, et on a eu l'agréable surprise d'avoir 9. Et puis par la suite, la prise en charge qui était totalement exemplaire du bébé et de la pâturiente par des équipes qui étaient là. C'est vrai qu'il y avait des compétences que je félicite et que je remercie infiniment pour leur contribution pour la réussite de cet événement. Et puis en même temps, les plateaux techniques qui étaient complets pouvant prendre en charge 9 bébés qui sortent d'un coup, qui ont besoin de 9 couveuses, 9 respirateurs, parce qu'ils ont besoin quand même d'être assistés sur le plan respiratoire, et de prendre en charge la maman qui est quand même qui vient d'accoucher de 9 bébés, un utérus qui devient très hémorragique. Il fallait quand même prendre en charge la dame pour qu'elle puisse quand même ne pas présenter plutôt de complications, surtout hémorragiques. La dame, elle a été prise en charge sur le champ dans la salle de cathétérisme. On a embolisé l'artère utérine pour éviter l'hystérectomie d'une jeune de 25 ans, en dehors de la grossesse, même pour sa féminité, c'est très important de lui faire garder son utérus. Donc, elle a été prise en charge au niveau de la salle de cathétérisme pour lui faire éviter l'hystérectomie et en même temps, prise en charge au niveau de la réa par la suite pendant 3-4 jours parce qu'elle était très fatiguée. Et les bébés qui ont été pris en charge dans un plateau parfaitement harmonieux où il manquait de rien du tout pour leur prise en charge. Donc, jusqu'à présent, Dieu merci, ça fait 15 ou 16 jours qu'ils se portent bien.
J'espère que ça continuera comme ça. Comme ça, ça va faire quand même le record mondial au niveau des naissances multiples. Et j'espère que ça aboutira, Inch'Allah. On fera Inch'Allah. tout pour. Mais où en sont aujourd'hui les discussions entre le public et le privé pour un peu mettre en place cette volonté Pour ne rien vous sur le cacher, terrain? j'ai présenté à deux reprises des projets de partenariat public-privé qui sont en attente d'études de la part du ministère de tutelle. Déjà à l'époque de M. Anas Doukali, il y avait des négociations qui avaient commencé à l'époque et puis qui ont continué en présence de M. Aïssatalb. Et malheureusement, la pandémie, elle est très occupée. Monsieur le ministre, je pense qu'il est très préoccupé par cette situation qui lui prend énormément de temps. Et je pense qu'avec maintenant la généralisation, on va se mettre autour d'une table dans les mois à venir, j'espère bien, pour essayer de discuter ce partenariat vital pour le pays. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes l'un des principaux investisseurs dans le secteur privé de la santé au Maroc. Il y a une certaine crise de confiance entre le citoyen et le secteur privé, notamment en matière de prix, de tarification et autre chose. Comment vous allez œuvrer un peu pour rétablir un peu cette confiance entre le citoyen et le secteur privé au Maroc, sachant que vous êtes l'un des. Aujourd'hui, vous détenez plusieurs cliniques et donc vous êtes un important investisseur dans ce secteur. C'est simple, madame. Moi, je le salue de cette situation qui est un petit peu dramatique dans le sens où il n'y a pas de confiance qui règne entre les citoyens et le secteur privé. Je pense qu'elle va être du passé dans quelques mois avec la généralisation de l'assurance maladie. Cette absence d'assurance maladie pour la majorité des Marocains fait que la situation elle n'est pas confortable pour les deux parties, à savoir les cliniques et les médecins, que pour les patients. Mais je pense qu'avec l'instauration de cette assurance maladie, la situation elle serait vraiment assainie. Il y aurait probablement une reprise de confiance entre le citoyen ou les patients en général, en particulier avec les cliniques et les médecins. Une assurance maladie qui va leur permettre d'avoir accès au secteur sans avoir payé de leur poche des millions parfois quand il s'agit de pathologies lourdes. D'accord. Pour rester un peu sur ce projet lancé par Sa Majesté le Roi, notamment de la généralisation de la couverture médicale, dans quelle mesure votre secteur va-t-il contribuer à faire réussir aujourd'hui ce chantier? Ben, on sera là que pour faire réussir, Inch'Allah, ce chantier. On a la possibilité quand même d'investir avec de la bonne gouvernance parce que bon, on cherche quand même à faire équilibrer nos finances et on va tout faire là pour avoir des plateaux techniques de niveau tout en ayant quand même un équilibre financier de l'entreprise qui s'appelle clinique ou hôpital privé. Le secteur dans le monde entier, le secteur privé, il a toujours réussi des challenges assez importants parce que bon, il essaye trouver toujours cet équilibre qui n'est pas facile à atteindre dans le secteur public, surtout dans les pays en voie de développement comme le nôtre. Privé, je pense, avec un bon partenariat entre le secteur privé et public, on va réussir à relever le défi, mais de manière extraordinaire. Qu'il y ait quand même une carte sanitaire, que le privé soit complémentaire du public dans certaines zones et que le public ne vienne pas investir du moment où le privé il est en train d'offrir un plateau pour telle ou telle spécialité. Et inversement, quand il y a un hôpital public qui est à la hauteur des attentes de la population, le privé n'a pas à venir s'investir là-dedans. D'accord. Une dernière question sur le plan réglementaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une nécessité de revoir quelques lois, de renforcer l'arsenal juridique pour que le secteur privé joue d'emblée un rôle dans ce chantier stratégique pour le pays? On attend que des incitations, que des encouragements de la part des autorités, des incitations surtout sur le plan fiscal. Ben, je vous donne le simple exemple de la TVA. Supprimer la TVA sur le matériel médical ou sur les constructions et pour les cliniques ou pour les hôpitaux privés permettrait de booster, mais d'une manière extraordinaire, l'investissement dans le secteur privé, dans le secteur de la santé. Quatre cliniques construites sans TVA permettent de construire une cinquième, entre guillemets, gratuitement. Ça veut dire que ça va booster, ça va encourager les investisseurs à aller encore au-devant en matière d'investissement, dans le secteur de la santé. Docteur Rojdi Talib, merci. Je rappelle que vous êtes PDG du groupe Agdital. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, madame. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.